Et je plus jamais. Hey. Un peu de enthousiasme. Ça. Tu vas décourager les gens. Tu es Maggie. Bon, donjon 2. Ah, oh, chier. Merci. Une bombe. On a quand même pas mal de bombes. On peut en avoir jusqu'à 50. 5? Quoi? 5 alors? 5? Pas ça, la limite. Les flèches aussi. J'ai pas vu d'upgrade de ça. Puis ils ont pris les bombes dans leur main pour dire ah ben je suis pas capable d'enlever plus que 55. Donc. Mais comme l'argent a toujours été limité à 255, puis tu sais que c'était une limite de. Boolean. C'est un int. Mais là, il aurait pu la, c'est one il aurait pu la décaper. Je pense. Ouais, il aurait pu facilement. Tu sais. Une bête, il y a 256 valeurs avec un 0. 255. Et on se dirige maintenant vers le deuxième donjon qui est dans la swamp au swamp. Nord de la map. Et on n'a pas trouvé encore de. Comme là, t'as ramassé. On a ramassé une carte qui va servir plus tard pour une side quest. On n'a pas trouvé, par exemple, la map, hein? Pas la map, mais l'ancienne map. J'imagine que ça doit être quelque chose d'autre, maintenant. Pour avoir des potions. No, I am error. Ouais, mais ça sert pas aux potions, ça. C'est pour des side quests. Oh. Il a dit de le montrer à erreur. C'est qui? On ne sait pas encore. Mais, il doit servir à quelque chose. Hey, c'est généreux ce buisson. Bombe. Merci, on est rendu à 12 bombes. Nice. Hey. Mais là, vous êtes beaucoup trop gentil. Là, t'es-tu gentil? T'es-tu gentil? Non. Pas tout le monde qui est gentil ici. Je fais attention. Yay! Yeah. Ok. On est dans la swamp. Toi, t'as jamais joué au Game Boy. Hein? Non, pas vraiment. C'était une zone qui existait dans le Game Boy. J'ai vu ça, mais c'est vraiment bien. Comparé à Zelda, c'est beau quand même. Ouais. C'est laid. Mon nouveau mess. Qu'est-ce que t'espères? C'est laid. C'est beaucoup trop chiant, là. L'autre étape, ça aurait été de mettre ça en noir et blanc. Ça, c'est un Game Boy. C'est pas mal plus beau avec du verre, moi, t'sais, pour l'avoir joué en noir et blanc. Ok, bon. Ça, c'est. Okay. Au Game Boy, cet endroit-là s'appelait Bottle Grotto. C'était aussi le deuxième donjon, je crois. Attends, même quoi? Même utilise ta magie pour. Ouais, parce qu'on n'a pas encore la deuxième torche. Qui, si je me rappelle bien, n'est pas dans un donjon, il est caché à l'extérieur. Fait qu'il faudrait fouiller un peu le overworld. Chaque donjon a une musique différente en passant, comparé à Zelda 1, où c'était tout le temps la même musique aliénante. C'est toutes des musiques tirées de d'autres Zelda. Puis. Si c'est comme avant, moi le donjon 2, j'économisais toutes mes clés dans ce donjon-là parce que je passais à travers les murs. Ça toi aussi. On économisait plus de clés possible, puis la majorité de temps, ça n'avait pas grand-chose dans le donjon. Ouais. Ben, c'est parce que dans le donjon 8, on avait l'espèce de master key qui ouvrait tout. Ouais, c'est ça. Ça, je pense pas qu'il l'a dans ce jeu-là. Ah, des fois, j'allais la ramasser au début. Ouais. Moi aussi. Je sais pas si c'était au début ou ça prenait peut-être juste sauter par-dessus quelque chose. Ou...
On reprenait quand même, il fallait que tu sois quand même assez avancé, genre 4ème donjon, mais... Ouais, c'est ça. Faut avoir l'échelle. Faut aller chercher l'échelle, mais après ça, t'étais capable d'aller le chercher. Ouais, justement, j'avais cherché ça, mais je tuais pas le boss. Oh! Moi, je faisais ça horriblement beaucoup. Ça n'a pas rapport. J'ai jamais eu d'escalier ici. Ouais. J'ai juste poussé le bloc. Oh! Et c'est... Power Glove. Titan Mint. Fait que maintenant on peut détruire les roches. Et c'est bien parce que dans le donjon de 2 de Zelda, il n'y avait pas de trésor vraiment. C'était plus un donjon au plat. Très facile à faire. Chanceux là-dessus. Ok. On traverse ici. Ici c'était chiant parce qu'il y avait plusieurs gars comme ça. Puis ouais. les trucs tiraient du feu autour. Mais là c'est. Pour avoir un... Le deuxième boomerang. Le boomerang. Ah, il donne de l'argent. Pour ça que c'est plus aussi dur. Ok. La map. C'est sûr que si vous mettez des bombes partout, mais c'était même pas dans... de barrer les portes. C'était exactement ouais. Ça dans Zelda 2. Dans Zelda 1, je veux dire. C'est le même que j'économisais des clés pour tout le reste. Je dirais dans le noir qu'il n'y a pas de trou. Ok, là c'est pas trop dur. Ouais, ça c'est pas nouveau. En fait le donjon est similaire, à part l'escalier qui n'existait pas où est-ce que j'ai pris les gants. Un de moins. Tu la map? Ouais, je vais aller. Je vais retourner en bas après, juste me débarrasser de lui tout seul, je pense. Ah, puis j'ai tué dans le noir parce que c'est pas. Oups. Le plus. On va revenir chercher la triforce après. Juste bien fouiller le donjon. C'est quelque chose à fouiller. Ben, d'un coup, qui nous donne une clé, puis ce serait déjà ça. On a vu ça valait cher. Il y a des pawn shops qui nous vendent 100 pièces la clé. Ils vendent 100 pièces la clé. C'était ça dans un 180, je pense. Ben, il y en avait un qui vendait moins cher, mais c'était 80 ou 90. Ouais. Ah, bon, ça a valu la peine, puis on est allé partout. Hein? Nous, on perd pas de temps. On te fait ça un donjon. On a lancé le cœur et la triforce. Et voilà, la mort. Y a-tu un deuxième tour comme dans. Oui, un Dark World, puis une mécanique. Donc, on a fini le deuxième donjon. On se retrouve dans un autre épisode pour le troisième, en général. C'était pas très long.